Malaga. Attention à ces ballons dans l'axe. Oh, le bon jaillissement, superbe jaillissement là d'Hugo Bonnet qui va se présenter face à Théo Guivarch. La frappe et le duel remporté par Théo Guivarch. Alors que Rodez recevra l'entente Sanois Saint-Gratien la semaine prochaine. Oh, avec ce bon ballon là, et attention Théo Guivarch qui ferme bien l'angle. Il tente de prendre de vitesse, ouais, Pierre Ruffo, mais il est plus rapide. Et attention à la relance maintenant de Rodez. Oh, c'est bien joué ce double contact avec l'accélération de Jérémy Mello qui va repiquer dans l'axe et se présenter à la surface de réparation. Jérémy Mello et le super barré encore. Ah, il n'a pas beaucoup de solutions là. Le pressing de David Doulin. Et c'est récupéré par, attention, ce ballon dans la surface de réparation, la frappe haute, oh, ça, ça touche la barre, c'est effectivement Théo Guivarch qui... Et c'est frappé vite, le ballon qui traîne... Eh bien, c'est la mi-temps, sera la mi-temps ici à Cholet, entre Cholet et Rodez. Et Jonathan Mexique qui récupère un bon ballon là dans l'entrejeu. Il n'y a pas le surnom, mais Jonathan Mexique qui va tenter de loin. La frappe, elle est belle, la frappe. Oh, le super barré. Ryan Lam, notamment. Mais tout de suite, le replacement hein, de Rodez, là, avec le dédoublement avec Shafik Abbas et la bonne qualité de centre. On le voit, justement, et la tête. Et le but. Ryan Lam, non. Oh, le sauvetage. Le sauvetage énorme d'Arthur Demas, là. Là, ce soir, avec ce débordement d'Aurélien Tertero, là, qui va rentrer dans la surface de réparation. Le double crochet, Aurélien Tertero, la frappe. Et derrière, ça passe juste au-dessus. 77e, 78e, elle est commencée, cette minute. Et on va jouer à la Rémoise en deux temps. Le centre enchaîné, la tête derrière, elle est, ça passe à côté. C'est fini. Terminé, ici, au stade Omnisport de Cholet, sur ce score de parité.